Allô, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va attaquer une séance abdo flash. Donc ça va consister à peu près en 25 minutes d'exercice abdo. On va faire un petit échauffement. Ah, ça y est, ça commence à se connecter. Un petit échauffement niveau taille abdo. Coucou Ludivine. Salut Lisa. Et après, on fera d'autres mouvements. Donc préparez, si vous avez des haltères ou une kettlebell, vous pouvez prendre kettlebell ou haltère. Si vous n'avez pas, vous prenez une bouteille d'eau pleine, voire un pack d'eau, parce que ce mouvement-là, on peut le faire avec beaucoup de poids. Hello tout le monde. Allez, j'attends encore deux petites minutes et je lance l'échauffement. Salut. Ok, allez, on va attaquer l'échauffement. Je vais remettre la musique. Échauffement de la taille pour pas avoir trop de courbatures dans la main au niveau des abdos. On met plus fort. Voilà. Allez. En haut. Complètement tendu, ils sont déverrouillés. On bloque
Très bien. 4, 3, 2, 1 et on relâche, on fait attention, on relâche un poids. On a 30 secondes de récup, on va passer de l'autre côté. On va faire ça deux fois de chaque côté. On prépare, on fait très attention quand on prend. On ne détruit pas le dos, on serre bien les abdos. Hein. Ça habitue à porter des charges un petit peu, ça habitue à prendre un dessin dans les jambes et pas le dos. Allez, on est reparti de l'autre côté. On déverrouille, c'est parti. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça doit vraiment partir de là, on doit sentir que ça chauffe la taille et ça ne fait pas du tout de tension dans le dos si on contracte le dos. En un temps, en bas, en haut, en bas, en haut. Ce mouvement, il peut tout à fait se faire sans poids. Hein. Si vous jouez le jeu et que vous contractez bien les abdos, il n'y a pas de souci. Ça travaille. Et on bloque en bas. Hop. Super. Petit. Allez, on tient bon. Ça doit vraiment chauffer les obliques là, c'est un travail d'oblique. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, plus qu'une fois de chaque côté. Et j'aimerais voir les commentaires après. On relâche bien. On bouge un peu. Aujourd'hui, normalement, on ne transpire pas. Hein. C'est renfort, renfort. Allez, on attrape pour le refaire de l'autre côté, une fois de chaque côté. On est parti en deux temps. 2, 3, 4. Déverrouillez bien les genoux. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. En un temps. En bas, en haut. On inspire, on souffle. Allez, on s'accroche. On est tous ensemble, hein, mine de rien. Attention, on vient bloquer en bas. Hop. Le bras, il est tendu. Hein. Le poids, il est au bout du bras. Le bras ne fait rien du tout. Tout part des abdos. Enfin, les muscles posturaux, là. Attention, on part pour les petits. Hop. Très bien. Encore. 3, 2, 1, on repose. Allez, on relâche bien. Plus qu'une fois de l'autre côté. Et après, on sera sur tapis. On se prépare. On récupère. Vous ne devez pas sentir de tension dans les lombaires et dans le dos, surtout. Hein. Sinon, vous retirez le poids, vous faites sans poids. On se prépare. On serre fort, on est parti en deux temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. En un temps. En bas, en haut. Inspire, souffle, on souffle à l'effort. Super. Allez, on part un petit peu avant de bloquer. Et on bloque en bas. Hop. On serre fort. On tient bon. Ah, ça commence à chauffer là. Attention les petits. Hop, plus que 15 secondes et on passe à un autre exo. Allez, allez. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, c'est bon. Alors, ça va pour tout le monde? J'ai une bouteille d'Oasis, nickel Aurélie, ça me va. Coucou, coucou tout le monde. Allez, on continue. Le prochain, on va se mettre au sol. On va faire le dos au sol. On va décomposer un mouvement, ok? Pour ceux qui ont mal au cou, on peut tout à fait mettre la tête, reposer la tête sur les mains. Moi, je vais le montrer sans mettre les mains derrière, ok? Donc, on va monter, partir sur un côté,
revenir et descendre. C'est en quatre temps. Puis je vous demanderai de le faire directement. Puis on bloquera, on tendra les bras et on terminera avec des petits. Il y aura une option, soit pause, soit faire des tout petits en haut pour ceux qui veulent vraiment, vraiment forcer au niveau des abdos. Attention, on va attaquer. C'est parti. Monte, tourne, reviens, descend. Monte, tourne, reviens, descend. On veille bien à ne pas coller le menton à la poitrine. On doit regarder vers le plafond. Ok, en direct. Tourne, reviens. Ok, on souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Très bien. On tourne bien, on travaille encore les obliques. Hein. Et on vient bloquer. Hop, on tend le bras, dos de la main contre le genou et on bloque bien. On pense toujours à décoller le menton de la poitrine. On regarde en l'air et on tient pour le plus haut possible. Attention les petits, go! Comme si on nous tirait la main. Et on souffle. Allez, on pense à bien respirer. Ok, c'est la pause où ceux qui veulent nous suivre, on part en haut et on fait des tout petits pour 15 secondes. Allez, on tient bon. Et on va enchaîner directement de l'autre côté. Attention, tout le monde se prépare. Et on est parti. Monte, tourne, reviens, descend. Monte, tourne, reviens, descend. Très bien, on pense toujours à bien décoller le menton. En direct. Hop, reviens. On creuse bien le ventre. On serre fort les abdos. Attention, on va bloquer. Hop, on tend les bras, dos de la main, contre le genou. Le plus haut possible, on aspire le nombril vers le sol. Hein. Attention, on va attaquer les petits. C'est parti, hop. Très bien. Donc ce mouvement-là, on a l'enchaînement, on le fait trois fois. On relâche ceux qui veulent nous suivre, on continue au milieu. Allez, on tient bon. Ça doit commencer à brûler là, hein, pour ceux qui ne font pas les pauses. Et on rattaque pour tout le monde. Monte, tourne, reviens, descend. Hop, hop. En quatre temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 en direct, monte, reviens. Allez. On pense à bien souffler. Très bien. Et on vient bloquer en haut. Allez, on tient bon, on tend la main. On pense à creuser le ventre. On protège son dos. On serre fort les abdos. On est parti pour les petits. Go! Hop. Allez, allez. On tient bon. Alors, après ça, c'est la petite pause où on continue avec moi. Allez. On regarde toujours vers le plafond. On ne gueule pas le menton. Attention, tout le monde repart de l'autre côté, c'est parti, monte, tourne, reviens, descend, hop, très bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en direct, tourne, reviens, allez, après celui-là, il n'y en a plus qu'un de chaque côté et ce sera bon. Attention, on vient bloquer. Hop, on tend. On en profite pour bien se positionner. On monte bien, on serre les abdos, on regarde dans le plafond. On attaque les petits, c'est parti. Très bien, continuez, accrochez-vous. 3, 2,
attention, tout le monde va rattaquer. On est parti, monte, tourne, reviens, descend. Hop, 2, 3, 4. C'est le dernier de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. En direct, hop. Allez, on commence à souffler quand on monte, aspire quand on descend. Allez, on s'accroche. Ok, on vient bloquer. On tend le bras. On tient bon. Ça va tout le monde, j'espère que vous tenez. Hein. On s'accroche. Tous ensemble. Attention, parcours les petits, ça sera fini de ce côté. Hop. Allez, on tient bon. Ah, c'est celui qui brûle, celui-là. Hein. Allez, c'est la pause ou les petits avec moi. Au choix. On peut se faire un challenge pour le dernier, là, hein, tout le monde ensemble. Attention, on va tous repartir. Et on monte. Tourne, reviens, descend. Monte, tourne, reviens. Descends, monte, tourne, reviens, descends, dernier, attention, en direct, hop, allez, encore, attention, on va bientôt bloquer, c'est parti, allez, plus de 30 secondes à tenir. On tend le bras. On va attaquer les petits. C'est parti pour les petits. Attention, je vous challenge à faire 15 secondes avec les deux mains au centre avec moi pour terminer. Bientôt. C'est parti. Allez, 15 secondes pour terminer. Toujours le regard vers le plafond au loin. Allez, c'est bientôt fini. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Est-ce que ça va? Alors, bilan. C'est bon tout le monde? Coucou, coucou. Alors, est-ce que tout le monde va bien? On va attaquer la suite. La suite, c'est de la planche. Bah oui, j'avais oublié, heureusement j'ai mes notes. Gainage latéral. Ok, 30 secondes. Gainage frontal, tout de suite enchaîné pour ceux qui le souhaitent pour une minute. Ceux qui veulent faire une pause, petite pause de 15 secondes, je donnerai les détails. 30 secondes de planche frontale, pause de 15 secondes et après on attaque la planche de l'autre côté. Donc là je vous tournerai le dos, il n'y a pas trop le choix. Vanessa, tu m'as tué. Bah ouais, mais faut bosser un petit peu là, on est bloqué à la maison. Hein. Allez! On s'y met tous, on est parti pour la planche. Je vous explique les trois niveaux de planche latérale. Donc, on met le coude au sol, l'épaule et les pieds au-dessus du coude, hein. On ne se penche pas comme ça. Premier niveau le plus dur, les deux pieds l'un par-dessus l'autre. Deuxième niveau, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Troisième niveau, un genou au sol. On n'hésite pas à prendre les options, hein. Ok? Donc, ça sera la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est de la planche frontale, les deux coudes, les avant-bras au sol. Sur les pieds, on fait un bel alignement. Épaule, bassin, cheville. La tête, elle est dans l'alignement de la colonne. Ce qui veut dire qu'on garde ses mains. Si c'est difficile, niveau plus facile sur les genoux. On n'oublie pas d'abaisser. Et le bassin, si on reste là-haut, ça ne sert à rien, ça ne travaillera pas. Il faut qu'on sente que les abdos sont engagés. Si vous êtes là, que vous sentez que ça vous chauffe un peu trop les lombaires, ça tire dessus, il ne doit pas y avoir de tension, on monte un petit peu les fesses. Ça marche pour tout le monde. Et ben on va attaquer. C'est parti, planche latérale. 30 secondes pour tout le monde. Go! Alors, on est bien droit. Le bras en l'air. On a une belle posture. Épaule bien au-dessus du coude pour avoir le moins mal possible aux épaules. Mais ça va tirer l'épaule quand même. Hein. Ça chauffe. Pas s'inquiéter. Allez, on souffle bien. Évidemment, cet enchaînement-là, on le fera trois fois. Attention, au choix. Pause ou on passe directement en planche.
Ceux qui font la pause, c'est 15 secondes de pause. Je vais vous dire quand est-ce qu'il faut rattaquer. Hop. On serre fort les abdos. Attention, tout le monde attaque la planche. Go. On aspire le nombril vers la colonne. On résiste. On tient bon. Allez, on s'accroche. On est à la moitié. On tient bon. On lâche pas, c'est pas parce que je vois pas qu'il faut lâcher. Hein. Ok, ceux qui veulent faire une pause peuvent la faire maintenant. On a 15 secondes avant d'attaquer de l'autre côté. Et quand on passe d'une position à une autre, on essaie de ne pas poser le genou. Pour garder la tension dans les muscles. Attention, on est parti de l'autre côté. Allez. On tient bon. On serre fort. Là, c'est l'oblique qu'on travaille. Hein. Allez, 15 secondes. Tous ensemble. Hein.
c'est la dernière série ici là. Hein. Attention, on est déjà à la moitié. Soulevez bien. Pensez à la position de votre tête. Allez, attention, c'est la pause pour les verts. Les autres ont encore 15 secondes avant de passer de l'autre côté. Très bien. Attention, on passe de l'autre côté. C'est parti. Tout le monde. Allez, il nous reste 15 secondes et c'est terminé pour celui-là. On tient bon, on s'accroche. Allez. Motivé. Attention, 4, 3, 2, 1 et on relâche, bravo. Allez, on relâche bien. Pour le dernier exercice, vous pouvez prendre votre bouteille d'eau, si vous avez des haltères ou des poids ou medicine ball, vous pouvez prendre aussi, ça va être du rameur sur le côté, du Russian Twist. Hop là. Ah, je me lance un défi, hein, je prends la 3 kilos là. Allez, buvez un petit coup, récupérez. Dans une minute, on attaque. Je vous montre la position. La position du rameur, on se met sur les fesses, on lève les pieds, on essaye de ne pas croiser les jambes, les deux pieds l'un contre l'autre, dos plat. Ça donne ça sur le côté. Hop. Voilà. Et on va venir avec la balle ou la bouteille, tout ce que vous voulez. On va venir taper sur les côtés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup travaillé les abdos obliques. Allez, on va bientôt attaquer. Si c'est difficile, on peut poser légèrement les talons au sol. Il faut juste sentir que les abdos sont engagés et la sabote. Allez, attention. On est parti. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Je vous donnerai les temps. Vert, orange, rouge. Pensez à inspirer d'un côté, souffler de l'autre. Allez, on tient bon. Vous pouvez même prendre vos enfants. Hein. Hop, d'un côté ou de l'autre, facile. Allez, on est en vert, 30 secondes. Si ça devient dur, on arrête de tourner, on reste bloqué au centre, on pose les talons. Ce que vous voulez. L'important, c'est de tenir le plus longtemps possible. Hein. Je préfère qu'on dure dans le temps. On est en orange. Plutôt qu'on essaye de faire fort et qu'on arrête au bout de 10 secondes. Allez. Et 4, 3, 2, 1, 1 minute. Bravo. On récupère. On le fait encore deux fois et c'est bon. C'est terminé. On s'accroche. Allez, 2 minutes d'effort et c'est fini. Attention, on se prépare. 3, 2, 1, et reparti. Allez. On pense bien à ne pas se goûter, on garde le dos bien plat. Essaye de ne pas croiser les jambes. Allez, on est en vert. Allez, ceux qui continuent, on s'accroche. Allez, on pense à bien souffler. On est en orange. Allez,
vipère. Tiens, pour être fier de vous, vous aurez fait votre petit sport de la journée. Attention, 3, 2, 1, on rattrape. Dernière minute d'effort. Allez, si vous aviez fait du vert avant, donnez-vous un challenge. Essayez d'aller au orange ou au rouge. C'est la dernière minute d'effort. Allez, on tient bon. Allez, plus que 45 secondes. On pense à son dos bien plat, on serre ses abdos. Allez, on est en vert, plus que 30 secondes. Allez, allez. Allez, orange, plus que 15 secondes. Tous ensemble, on s'accroche. On tient, on tourne avec le poids, sans poids. On s'en fixe sur le talon. On essaie de tenir jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. On relâche, bravo. Super. Ah ben, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Je crois qu'on va toujours garder midi. De toute façon, c'est beaucoup plus facile pour tous ceux qui sont en télétravail. Et puis, ça n'empêche pas, quand on ne peut pas le midi, de regarder la vidéo plus tard pour pouvoir refaire tout seul les vidéos. Vous pouvez aussi les refaire plusieurs fois. Du coup, demain, ça sera une pyramide de chaises pour ceux qui ont envie de travailler les cuisses. Allez, je vous fais des bisous. À demain.